Afrique TV, votre chaîne généraliste au cœur de l'actualité, du divertissement et de l'information spécialisée. Sur Afrique TV, retrouvez chaque jour l'économie, les sciences, l'éducation et la culture. Afrique TV, la chaîne multigénérationnelle qui décrypte la cité grâce aux avis des spécialistes. Le cœur de l'info et du divertissement, c'est Afrique TV. Les cadres et agents du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, en présence du directeur général adjoint de ce centre hospitalier, ont célébré le 25 décembre 2022 la fête de Noël autour d'une messe d'action de grâce. Au cours de cette Eucharistie, l'abbé Célébrant a exhorté les cadres et agents du CHUB sur l'amour du prochain et le sens du respect de la dignité de la personne malade. Au commencement était ouvert la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Prenant la parole, le directeur général adjoint du CHUB, le docteur Ulrich Judicael Biez, a également insisté sur l'amour du prochain, le pardon et la qualité de l'accueil au sein de cet hôpital. Le directeur général, le professeur Thierry Gombe, a toujours insisté sur la qualité de l'accueil. Et cette qualité de l'accueil à toutes les étapes du processus de soins. À toutes les étapes. Et c'est pour cela que plusieurs fois, il a instruit à la direction des soins infirmiers et à la direction des affaires médicales d'organiser des formations en vue d'améliorer la qualité des soins. Donc, si on n'aime pas assez, on ne peut pas offrir des soins de bonne qualité, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on soigne les gens qui viennent à nous avec des maladies, des douleurs, des souffrances. On doit les soigner comme on aimerait que nous soyons nous-mêmes soignés. À la fin du culte, des jouets ont été distribués aux enfants hospitalisés dans les différents services pédiatriques du CHUB par le directeur général adjoint
accompagné de la directrice des ressources humaines. Nous avons également pris l'habitude depuis déjà plusieurs années de remettre les jouets aux enfants dans les services de pédiatrie, parce que nous savons combien c'est difficile pour les parents. Ils doivent déjà acheter les médicaments, ce n'est pas toujours évident, ils doivent payer des examens de laboratoire, des examens d'imagerie médicale. Certains doivent faire un effort de trouver un garde malade, ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, dans nos familles, ce n'est pas toujours de trouver quelqu'un de disponible. Ils doivent faire également d'autres courses pendant qu'il est garde malade ici. Et donc, ce n'est pas évident. Et nous avons pensé que la direction générale du CHU pouvait aider ces parents-là à apporter les jouets aux enfants. Question de donner un peu de sourire hein, à tous les enfants qui sont hospitalisés chez nous. Un mot de DG. La consommation des médicaments contrefaits a des conséquences graves sur la santé des populations. En Afrique, selon l'OMS, près de 100 000 décès par an sont liés au commerce des faux médicaments. À Brazzaville, le CHU se mobilise pour éradiquer ce phénomène désastreux devant ses portes. L'initiative qui vise la protection de la santé des populations. Généralement, il s'agit des faux médicaments qui mettent en danger la vie des populations. Vous savez que les faux médicaments constituent aujourd'hui un problème de santé publique majeur. Dans le monde, et même dans les pays développés, un médicament sur 10 est faux. En Afrique, c'est encore plus grave. Un médicament sur 3 est faux. Et donc, c'est pour cela que nous nous attelons à traquer ces vendeurs-là. Nous le faisons souvent. On le fait avec le concours de la police, hein, de la force publique, qui nous aide à les faire partir. Mais ils sont tellement têtus, ils reviennent souvent, ils reviennent toujours. Nous savons qu'il existe des complicités. Il y a certains de nos agents hein, qui se permettent de travailler en réseau avec eux hein, pour faciliter cette vente-là. Donc, les mesures vont être prises à l'endroit du personnel qui va se livrer à ça parce que vraiment nous mettons la vie des malades en danger. Et les mesures seront prises également vis-à-vis de ces vendeurs ambulants hein, de faux médicaments. Le directeur général adjoint a par la même occasion informé les patients de l'aménagement de la pharmacie interne du CHU de Brazzaville. Grâce à un partenariat mis en place, cette pharmacie sera garnie en stock suffisant de produits. Nous avons fait un effort. Hein, vous allez voir que la pharmacie, si vous visitez le point de vente du CHU, vous allez voir que la pharmacie a été complètement réhabilitée. Même sa capacité hein, d'accueil a été augmentée. Et actuellement, nous faisons tout pour que tous les médicaments qui sont utilisés dans tous les services puissent être disponibles. Et nous avons un partenaire qu'on appelle Banque Postale, n'est-ce pas ? Nous avons un compte à la Banque Postale. Avec elle aussi, on s'est entendu, on a créé des conditions pour que l'argent ne manque pas pour les médicaments. L'argent ne manque pas pour les médicaments au CHU. Une action appréciée par les patients qui demandent par la suite la pérennisation de cette volonté de l'équipe dirigeante. Mon impression, c'est qu'avant qu'on payait dehors là, ça ne nous avantageait pas. Parce que une fois que tu vas dehors là, le camion peut te ramasser en traversant le goudron. Maintenant, comme ça y est ici, mais à tout moment, sans manque. On n'en trouve pas en totalité ici. Toujours, on sort dehors, de l'autre côté pour aller payer. Voilà. Or, ça ne nous avantage pas. On doit voir les produits normalement dans le sein de l'hôpital pour que les gens ne puissent plus sortir. Mais hélas, on n'en trouve pas la totalité. Terminons son propos. Le docteur Biez a évoqué la mise en place des sanctions disciplinaires à l'endroit du personnel du CHU qui participe au trafic des médicaments. Sanctions pouvant conduire jusqu'au licenciement de ces derniers. Procédons à la clôture des travaux du 5e séminaire gouvernemental. Le Premier ministre chef du gouvernement a appelé le gouvernement qu'il dirige à plus d'efficacité, de persévérance, de solidarité et de clairvoyance face aux enjeux multiples de l'heure.
La solidarité gouvernementale doit nous engager, tous, derrière Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans une action efficace pour l'atteinte des objectifs vitaux qu'il s'est fixés dans son projet de société. Et nous conserverons ainsi le cap de nos ambitions avec courage et réalisme pour transformer fondamentalement les habitudes, les manières de penser et d'agir des gouvernés et des gouvernants pour accélérer le rythme de notre marche vers le développement. Pour les prochains mois, un effort supplémentaire devra aussi être fait pour un travail productif au sein des administrations et organismes publics, annonce Anatole Koliné-Makosso. Notre peuple a une grande tradition du travail, surtout du travail bien fait. Il revient à chaque département ministériel l'exemplarité du travail productif à tous les niveaux. C'est autour de ce principe et de cette valeur existentielle que l'action du gouvernement et la solidarité des membres qui le composent auront beaucoup plus de visibilité à travers des réalisations qui impactent la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, la notion du travail étant l'un des principes fondamentaux de la République devra être sacralisée, tout comme les progrès dans différents compartiments de l'action gouvernementale. L'ambition partagée d'un Congo économiquement développé et socialement prospère, ainsi que la poursuite de la marche vers les objectifs politiques stratégiques, ne sont possibles que si les Congolaises et les Congolais se réapproprient les vertus du travail. Fin de citation. Ambiance de grandeur ce vendredi 30 décembre au Palais du Peuple, où les membres du gouvernement, dossier en main, arrivent les uns après les autres pour prendre part à la réunion du Conseil des ministres qui est sans doute la dernière de l'année 2022. Tous réunis sous l'autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, examinent plusieurs affaires liées à la réorganisation de certains départements ministériels. Au titre du ministère des Affaires sociales, il s'agit d'un projet de loi portant protection et assistance aux personnes déplacées internes et d'un projet de décret relatif à la création, organisation et fonctionnement du Parlement des enfants au Congo. L'attention des membres du gouvernement est aussi focalisée sur le projet de décret présenté par le ministère du Commerce fixant les modalités de prestation de serment des agents de l'administration du commerce chargés de la constatation et de la poursuite des infractions en matière commerciale en République du Congo. Les autres dossiers en examen au cours de ce Conseil des ministres concernent plusieurs projets de décret liés à l'attribution et au renouvellement des permis de recherche minière aux différentes sociétés opérant au Congo. Par ailleurs, la participation du Congo au 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, tenu à Luanda en Angola du 7 au 9 décembre dernier, et à la COP27 en Égypte, fera l'objet des communications des ministres du Plan et de l'Environnement. Mes chers compatriotes, l'an 2022 qui s'achève et le temps qui passe de manière irréversible nous impose le devoir de mémoire, chaque année étant portée par ses péripéties propres. C'est pourquoi, à l'endroit des familles endeuillées en 2022 par la perte d'un proche ou d'un être cher, j'exprime toute ma compassion et mes souhaits de réconfort face à cette ultime épreuve. À l'ensemble de nos compatriotes en proie à la maladie, je formule tous mes voeux de prompt rétablissement pour qu'ils reprennent
dans la dignité leur place dans la société. La fin de l'année 2022 est sans conteste l'occasion de réjouissance. Chacun célèbre ses moments d'allégresse selon ses motivations personnelles. Et l'on espère souvent vivre une année meilleure. Les souhaits habituellement formulés prônent la santé, le bonheur, la prospérité et la longévité. De tels vœux magnifient toujours l'espoir. Et l'espoir, en cette fin d'année, est permis. À ce sujet, il y a quelques jours, dans mon message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, au terme duquel j'ai balisé le chemin pour l'année nouvelle qui s'ouvre, je me suis longuement appesanti sur l'itinéraire de notre marche vers le développement. L'importance de nos ressources naturelles et la qualité de notre capital humain confortent nos convictions en un avenir prospère pour le Congo. Pour y parvenir, seul notre engagement inlassable et sans faille dans le travail acharné, créateur de richesses, procurera à notre pays les bases solides de sa modernisation et de son développement. C'est au prix de notre persévérance dans l'effort que nos ambitions et nos objectifs de développement se traduiront en réalité concrète et apporteront des réponses adéquates aux attentes légitimes du peuple en termes de bien-être et d'épanouissement. Dans cet ordre, et en saluant la capacité de résilience de notre peuple devant l'adversité, je voudrais réitérer le fait que le Congo est bel et bien en phase avec les diverses contingences de son époque. En cela, l'exemple que nous donnons au cœur de l'Afrique centrale ainsi qu'au reste du continent et au monde, nous confère plus de responsabilités en termes de bon voisinage, d'intégration sous-régionale, de dialogue et de paix. La Terre étant devenue un village planétaire, un conflit, une calamité, où qu'ils éclatent, impacte inévitablement la situation de l'humanité entière. J'ose croire que l'année 2023, qui débute dans quelques heures, apportera l'apaisement nécessaire à travers le monde, dans les zones de conflit et les points chauds, afin que l'humanité vive dans la paix, sans laquelle le développement n'est guère possible.
J'ose également espérer que 2023 sera l'année de l'affermissement et d'une prise de conscience nationale et internationale encore plus grande sur les questions climatiques et environnementales, afin que toutes les résolutions adoptées et les actions menées dans ce domaine ne restent guère à l'état de vœux pieux ou de stériles incantations. À ce propos, nous comptons sur une mobilisation effective de la communauté internationale pour que notre initiative lancée lors de la COP 27 en Égypte à l'effet d'instituer une décennie mondiale de l'afforestation commence réellement à prendre corps pour la survie de l'humanité. Dans ce même contexte, le sommet États-Unis d'Amérique-Afrique qui vient de se tenir à Washington il y a quelques jours nous a permis de préciser notre ferme engagement de construire pour notre pays et au moins le reste de l'Afrique une usine de fabrication d'engrais et de fertilisants grâce à nos gisements de phosphate, de potasse et de gaz disponibles dans un rayon de moins de 50 km du port en eau profonde de la ville de Pointe-Noire au bord de l'océan Atlantique. Je demande donc au gouvernement de porter avec détermination ce projet emblématique et d'amplifier le plus largement possible au niveau national et international le plaidoyer engagé pour un gain d'intérêt légitime et une mobilisation agissante des partenaires techniques et financiers en faveur de sa mise en œuvre. Il importe de renforcer la disponibilité des intrants nécessaires pour accélérer, grâce aux nombreux atouts et potentialités de ce secteur, l'essor de l'agriculture au sens large, afin que le développement de ce pilier structurant de notre plan national de développement 2022-2026 ne se résume guère à de vains slogans. Mes chers compatriotes, en donnant le meilleur de lui-même durant l'année écoulée, le Congo a renoué avec la croissance économique. En 2023, il s'agira de relever du mieux possible le défi de l'optimisation pour consolider les acquis, en l'occurrence, les performances économiques encourageantes obtenues et les avancées sociales enregistrées. Ainsi, dans le cadre d'un progrès cumulatif nécessaire pour notre pays, j'en appelle à un véritable esprit patriotique pour une préservation plus appropriée des investissements réalisés à grand coût et une gestion plus efficace des infrastructures disponibles.
nous devrons mieux sécuriser l'existant pour sortir du cercle pernicieux de la construction, destruction, reconstruction. Grâce à une détermination sans faille, dans l'unité, car il faut toujours privilégier la cohésion nationale afin de surmonter les périls en présence. Pour le travail, parce qu'aucun peuple ne s'est affranchi sans effort pour atteindre le progrès. Ensemble, poursuivons notre marche vers le développement. Bonne et heureuse année 2023 à tous. Vive la République, vive le Congo. TV, votre chaîne généraliste au cœur de l'actualité, du divertissement et de l'information spécialisée. Sur Afri TV, retrouvez chaque jour l'économie, les sciences, l'éducation et la culture. Afri TV, la chaîne multigénérationnelle qui décrypte la cité grâce aux avis des spécialistes. Le cœur de l'info et du divertissement, c'est Afri TV.